wataweza kusemea, ndiye waamuzi wataweza kuamua kitu gani inastahili kufanyika kutokana na jambo hiyo na kitendo hiyo yenye waliweza kufanya ya kuweza kupokonya pesa yenye iliweza kutolewa kuna mfuko wa serikali juu ya kazi fulani, lakini haikutimiza, haikukamilisha kabisa kazi hiyo jinsi inavyostahili. Ndiye waamuzi wataweza kuamua kitu gani inafaa kufanya. Bwana Kenina. Est déjà planté, comme vous êtes en train de le voir en direct sur les images. Les tentes traditionnelles ont été placées. Les équipes de la RTNC sont là pour vous faire vivre cet événement. Et à l'instant où nous vous parlons, le prévenu Jamal vient de faire son entrée. Jamal, c'est le responsable de l'entreprise Samibo, prestataire dans le projet de construction de près de 1500 maisons préfabriquées. Et le prévenu Mouhima également, qui est en charge de l'import et export à la présidence de la République avec son collectif d'avocats, est également sur place, mais aussi la partie civile qui est là. Le ministère public, d'un moment à l'autre également, sera là parce que la chaise est jusque là vide. Et le collectif des avocats du prévenu Vital Kamere est déjà là sur place, présent pour les débuts de ces procès. Donc, comme pour dire que tout est fin prêt pour que nous entamions la toute dernière ligne droite. Et cela s'est fait en direct nulle part ailleurs que sur la radio-télévision nationale congolaise et certains médias partenaires également qui ont la probité morale de dire vrai. Et ici sur place, il n'y a aucun média, si ce n'est la radio-télévision nationale congolaise. Ceci dit, ceux-là qui diffusent, que ce soit par voie sonore ou par vidéo, ces procès, tirent leur source à la radio-télévision nationale congolaise. Une exclusivité de la radio-télévision nationale congolaise eu égard à sa couverture nationale et internationale et à la compétence de ses équipes. Et nous sommes restés pour la quatrième audience de 9h à 22h. C'est à féliciter. Nous avons reçu plusieurs messages, mais aussi les encouragements de notre directeur général Ernest Kabila Ilunga et de toute l'équipe du comité de gestion de ces médias publics. Et comme pour dire que c'est une affaire de professionnels, des vrais professionnels qui sont là pour vous rendre service malgré les moyens plus ou moins parfois limités dont nous disposons. Mais pour la République, tout est disposé pour que le travail soit fait. Donc revenons à l'audience de ces 11 juin. Mathieu Moudibangou et Astrid de Congo qui m'accompagnent pour ces directs. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une journée décisive. Décisive du fait qu'il faut apporter les toutes dernières pièces, les tout derniers cartouches pour convaincre le juge et qu'on ait in fine un verdict équitable qui ne sera pas certainement contesté par les parties prenantes. Et de cela, il faut affûter ses armes. Qui dit affûter ses armes, avoir des arguments solides, rester cohérent. Parce que un procès, ce n'est pas la toute dernière journée. Et c'est tout ce qui a été dit et consigné dans les différents procès verbaux. Et là, les juges se forgent un jugement, si je peux le dire ainsi, à travers la cohérence même des propos, des prévenus, des différentes parties prenantes, mais aussi des témoins et renseignants devant la barre. Donc, comme pour dire, c'est un travail difficile qui requiert vraiment un savoir-faire beaucoup plus considérable. Et la RDC n'en manque pas. Vous avez vu comment est-ce que les juges du tribunal de grande instance de la Gombe ont mené les débats en toute impartialité. Begins with a challenge. Everything is uphill this world. And it's not going to come to you, and it's not going to fall in your lap, and it's not going to be something that, oh my God, it just was so simple. It's always going to be difficult.
This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you want to have it, get your butt up and make it happen. If you want to have it, rise and grind. You still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie. Les choses iront tel que ça prévu et dans la droite ligne de l'Ouest. Kinshasa! Brazzaville, Pointe Noire, Lubumbashi, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Yoka Ntango Malamu, Oyo Biso Toyeli Bino. Bana lelo, Tika komitungisa maka, Soki courant ekei, Pona okende kotala match, Epa yaba voisin, Tope na bar, Moko Songolo, Yeba ke banda lelo, Oza Mobimba, Na telephone na yo, Nantela ya Bisa Media TV. Potu na nganini yo, Bisa Media TV, Na telephone na yo, Oza Mobimba, Na toutes les chaînes câblées du monde. Na lobi bien, Pa chaîne nyo sur Mokili, Oyo yo olinga kotala, Oza na yango na chombo na yo, Eza na kati ya taxi, Eza na kati ya douche, Eza na makolo, Ata ozali kotambola, Okoki na yo kotala, Chaîne nyo sur ya Mokili, Oyo olingi. Soki olingi otala ma match ya Ligue des Champions, Soki olingi omo na Messi, Omo na Cristiano, Omo na Mbappe, Omo na Neymar, Soki olingi otala novelas, Ba série olinga ka mingi, Ata pe olingi otala famille Kardashian, Yeba ke Oza Mobimba na Bisa Media na telephone na yo. Nekushapukia wafungwa nao wanakushapingia. Wanafungwa kabisa. Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Siège en matière repressive au premier degré de ce jour, jeudi 11 juin 2020, est déclarée ouverte. Je vous prie de vous asseoir. Madame la greffière, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle pénal, audience publique en chambre foraine. 11 juin 2020, siégeant, Bakeng vice-président, Kasunga Ngeleka Emukayaka Yende juge, avocat général Lumbu Kachewa, officier du ministère public, Nyamakila Lisette Greffière, affaire en continuation, RP 26931, en cause, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo. Contre les prévenus, Sami Jamal, Kamer et Lokaniki Nivital, Mouy Mandeo Lejano. Merci madame. Le tribunal appelle la cause inscrite sous RP 26931. En cause, ministère public et parti civil, la République démocratique du Congo, contre les prévenus Sami Jamal, Kamere Lokaningini Vital et Mouima Ndole Jano. Vos comparutions, s'il vous plaît. Pour la République démocratique du Congo. Oui, le prévenu, là-bas. Le prévenu, Jamal. Représenté. Il apprend que le prévenu Jamal paraît en personne assisté par ses conseils. Monsieur le Président, non mais maître, c'est important que c'est la représentation, puisque nous sommes trois, tandis que notre venu, la mère, cinq avocats et l'État congolais a six avocats. Nous sommes quand même pour le principe de l'égalité des parties. Attendez qu'on acte la comparution des autres, vous allez. Attendez qu'on acte d'abord la comparution des autres. Prévenu Mouima.
Comparé à personne assistée de ce conseil, Maître William Kalombo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement. Avec Maître Ngongo Kitete Albert Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Le prévenu Kamere Lokaningini Vital, comparé en personne, assisté de ce conseil. Le bâtonnier Joseph Gouhanika, du barreau de Kinshasa Gombe. Conjointement avec Maître Roger Toto Maluma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Kabengera Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Boubia la Malela du barreau de Kinshasa Matete. Aimé Mourou Kabalezi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Bien, merci. Cette cause ayant été renvoyée contradictoirement à l'égard de toutes les parties, le tribunal est donc valablement saisi. Oui, maître, vous disiez. Mais ce n'est pas au tribunal de pouvoir à l'assistance ou à la défense du prévenu. Quel est le problème? Il y a deux avocats de M. Jamal qui sont bloqués dehors. Deux avocats. C'est qui et qui? Donnez les noms, je vais instruire la police. Pardon? Maître Odia. Pardon? Maître Gervel et Maître Odia. Ok. Police, vous pouvez faire venir deux avocats de M. Gérard qui sont bloqués. Attendez. De notre côté aussi, ils sont bloqués. Ben, Maître, non, vous êtes, je crois, un nombre suffisant. Nous ne sommes pas un nombre suffisant, nous ne sommes répartis. Mais vous devez savoir qu'on doit tenir compte des mesures consécutives à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Merci, Monsieur le Président, mais même lorsqu'il y a des mesures sanitaires, elles ne peuvent pas aller au-delà, elles ne peuvent pas bloquer les droits de la défense, Monsieur le Président. Qui est celui qui n'est pas là? Il y a Maître Dioka, il y a Maître Kabemba, il y a Maître Chanel. Non, Maître, vous allez être au nombre de combien? Votre honneur, nous nous sommes organisés, chacun jouant son rôle, que maintenant là, si ces avocats ne sont pas avec nous, notre système de défense sera perturbé. C'est qui? Vous avez parlé de qui? Maître Dioka, oui. Maître Kabemba et Maître Mputu-Mansoni. Oui, Maître Dioka. Maître Kabemba et Maître Mputu-Mansoni. Et vous, Maître Mputu-Mansoni. Et Maître Mputu-Mansoni qui viennent pour compléter la défense du prévenu Kamere. Oui, Maître. Votre honneur, s'il vous plaît, on était entré un peu plus tôt. On nous annonce aussi l'arrivée de Maître Christian pour les comptes de M. Jamal. Christian Béa. Qu'on fasse venir aussi Maître Christian Béa pour les comptes du prévenu Jamal. Bien. Oui? Oui, Monsieur le Président, votre honneur. Je voulais juste faire un acte et ma constitution. Désolé, merci. Monsieur le Président, je voulais juste faire acter ma constitution de parti civil en ma qualité de citoyen congolais. Maintenant, si vous me permettez, je vais démontrer sur quel fondement juridique je le fais. Parce que je crois qu'on pourra s'opposer pour dire que l'État congolais serait déjà représenté. Vous prenez l'article 67 de la Constitution. Tout Congolais a le devoir sacré de défendre la propriété des intérêts publics. Bon, la République démocratique du Congo est représentée. Bon, il faut qu'on distingue la République et les citoyens congolais. Vous vous appelez comment? Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle M-U-B-I-A-Y-I, Moubiaï, M-U-B-I-A-Y-I. Plus loin, Kashama, N-K-A-S-H-A-M-A. Prénom Oscar. Bien, ça suffit. Monsieur le procureur, vous réagissez à
cette intervention. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. La République démocratique du Congo, qui est victime, est déjà représentée suffisamment. Je crois que de la République a gardé sa cause à celle de la République qui est déjà représentée par le président. D'abord que le monsieur qui s'est présenté devant vous, qui a donné son nom, n'a pas encore consigné. De telle sorte qu'il est prématuré d'engager un débat avec quelqu'un qui n'a encore pas réalisé une constitution régulière. Donc qu'il fasse d'abord et puis après on lui fera des reproches. Nous pouvons consigner sur le banc, monsieur le président. Non, non, attendez. Nous devons nous prononcer sur la recevabilité de cette constitution de parti civil. Bon, quant à nous, cette intervention nous donne le vrai visage du procès, le vrai fondement du procès, le vrai motif du procès. Et ça me met à l'aise. Pour que non seulement vous juges, mais également la population se rende compte des vrais motifs. Votre réaction par rapport à... Ce sera. Oui. Merci. Merci. Prévenu Mouima, vous avez un mot? Faites parler. Bon, en ce qui le concerne, nous n'avons aucun mot. Vous le prévenu, Jamal, un mot, parce que c'est technique. Monsieur le Président, je peux répliquer? Attendez. En un mot. C'est son droit. Nous estimons que la partie civile qui vient pour solliciter réparation, c'est une action civile. Il se peut qu'il puisse se demander par la République. J'ai dit votre nom. Monsieur le Président, à part le préalable que j'ai posé tout à l'heure de la constitution régulière de cette partie civile, je ne sais pas si c'est déjà réglé, il y a un problème réel sur le droit qu'on a à défendre comme partie civile. En réalité, en matière de procédure pénale, ne peut être partie civile qu'une victime d'une infraction. Une victime. Et cette victime ne doit pas être une victime indirecte d'une infraction, mais une victime directe. Ici, nous sommes en matière de détournement de deniers publics qui appartiennent à l'État, qui est une personne morale déterminée. La République est une personne morale. Et cette personne morale, titulaire de fonds qui ont été détournés, est partie civile dans le procès. Et donc, il ne faut pas qu'on se laisse aller dans un schéma qui conforte, et je comprends très bien, à cet âge, on comprend bien toute la manœuvre, de chercher quelqu'un qui s'appelle Mubia Inkashama, qui se constitue partie civile pour dire finalement que c'est ça l'image du procès. On fait attention à tout ce qui se dit et à tout ce qui se fait. Merci, Monsieur le Président. Alors, le côté politique allait le faire ailleurs. Le côté scientifique et technique, c'est ce que nous faisons ici. Pour être partie civile, il faut être une victime directe, parce que seul le dommage direct est réparable devant le juge. Pas le dommage indirect, sinon tous les 80 millions de Congolais viendraient ici comme partie civile à cette allure. Or, l'argent qui pose problème appartient à une personne déterminée. Cette personne s'appelle la République démocratique du Congo. Et elle est là, et n'a même pas besoin d'être assistée en plus. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je serai trop bref. Votre temps étant trop précieux, j'ai le respect du temps des juges. Il ne faudra pas qu'on puisse nous faire passer ici comme un cheveu qui tombe dans la soupe.
Alors, je vais répondre à Maître Kalouba, parce qu'il faut parler science et nous devons parler science. En premier mot, il dit, je ne suis pas encore constitué. Votre honneur, vous me le permettez, j'ai fait ma constitution sur les bancs, j'étais hier au tribunal, on m'a dit c'est 20$, je me constitue. Et une partie civile, tant qu'il n'y a pas clôture des débats, peut se constituer. Ça, c'est par rapport à la constitution impréalable que j'ai balayée d'un revers de la main. Maintenant, nous sommes devant un tribunal du droit écrit. Tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, à moins qu'on soit dans la rue, en tout cas si... Article 67 de la Constitution, la loi fondamentale, l'article 67, 6, 7, 67. Donc si de l'autre côté on parle de la rue, en tout cas ce n'est pas de notre côté à nous. De notre côté à nous, nous donnons le fondement de notre action, l'article 67 de la Constitution. Tout Congolais a le devoir sacré de pouvoir défendre la propriété et les intérêts publics. Je suis citoyen congolais, en tout cas ça ne peut pas être contestable, j'ai le devoir sacré de la part de la Constitution. C'est ça le fondement juridique. Bien. Maintenant, j'en ai fini d'un seul mot, Monsieur le Président. J'ai dit que je ne vous prenais pas le temps. Je suis là pour les intérêts fondamentaux. Et on vous dit, de l'autre côté, sinon toute la République viendrait. Donc, cet argument n'est pas juridique, parce qu'il est contraire même à la Constitution. Si les Congolais commencent à venir pour défendre leurs intérêts, ce n'est qu'une très bonne chose. Alors, une fois qu'on a fini ça, on dit qu'il faut avoir subi un préjudice. Comment voudrez-vous me dire, alors que la Constitution me donne un devoir sacré de défendre les biens de l'État, et on me dit que je n'ai pas subi un préjudice? C'est un raisonnement qui est trop paradoxal. Et enfin, on confond un peu des choses par Maître Kalouba, parce que Maître Kalouba qui est là représente l'État et non pas la République. Alors nous risquons d'entrer maintenant dans une philosophie étatique, et je vous épargne de cela. Donc, il représente l'État, et l'État n'est pas la République. Bien, et okay. En fin de compte, M. le Président, j'en ai fini. D'un seul mot, si vous me permettez, votre honneur. L'État en lui-même peut entrer en contradiction avec les intérêts des partis, des citoyens congolais. C'est pour ça que la Constitution nous donne ces devoirs-là. Et si vous comprenez, par exemple... ça suffit pour... J'en ai fini. Et je n'ai rien à voir avec la partie salariée. Non. Et je ne donne aucune image. Laissez au tribunal de vous répondre. Et je ne suis pas manipulé par personne. Merci. Merci beaucoup. Non, maître, s'il vous plaît. Non. Pour le tribunal, la Constitution, partie civile, si présente est irrécevable, et cela pour deux raisons. Le droit de se constituer partie civile est non pas défini dans un procès, bien sûr, est défini non pas dans la Constitution, mais par les lois de procédure, et notamment à l'article 54 du Code de procédure pénale. De l'intelligence de cette disposition, il découle que ne peut se constituer partie civile qu'une victime de l'infraction. Et dans les cas sous examen, il ressort des termes de la citation à prévenu que les infractions pour lesquelles les prévenus sont traduits devant le tribunal des séances ont été commises ou seraient commises au préjudice de la République démocratique du Congo qui s'est constituée partie civile. De deux, l'exploit des citations directes, les citations à prévenir plutôt, définit les liens d'instance de telle sorte que admettre la constitution partie civile de M. Moubiaï serait modifier fondamentalement ces liens, et cela irait à l'encontre même des principes qui régissent un procès équitable et des principes qui prescrivent le respect des droits de la défense. Merci, maître Vévrit. L'audience de ce jour ayant été consacrée aux plaidoiries, le tribunal invite la partie civile à prendre la parole. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole.
pour notre client Jamal, avant que le ministère public puisse rendre public ses réquisitoires, nous avons une exception d'ordre public à ce niveau devant les tribunaux des séances. Maître, s'il vous plaît. Vous savez que lorsque l'instruction proprement dite prend fin, la partie civile prend ses conclusions en termes de plaidoirie, le ministère public fait ses réquisitoires et le prévenu développe ses moyens de défense. Nous estimons que c'est au moment où vous aurez la parole, suivez, c'est au moment où vous aurez la parole que vous allez développer ces exceptions. Et pour ce faire, le tribunal voudrait vous indiquer la méthodologie à suivre. Nous avons arrêté que... S'il vous plaît, monsieur le président. Suivez, s'il vous plaît. Nous avons arrêté que chaque partie ait droit, dans un premier temps, à 2 heures. Et les 2 heures, vous allez les gérer au sein du collectif de la manière qui vous conviendra. Les répliques auront 30 minutes. Et les prévenus, comme c'est eux qui doivent prendre la parole en dernier, interviendront personnellement pendant 10 minutes. Chacun. Donc, c'est cela. Si vous avez des moyens, vous connaissez les règles de... S'il vous plaît, monsieur le président. Là, pas un moyen. C'est une exception d'ordre public qui doit être soulevée et éliminée. Non, mais on n'est pas une éliminée litis, maître. Nous ne sommes pas une éliminée litis. Une éliminée litis, ça suffit au seuil du procès. Ici, aujourd'hui, nous avons... Ne discutez pas avec le tribunal. Ici... Monsieur le président... S'il vous plaît, suivez. Parce que vous avez parlé d'exception une éliminée litis. Mais nous ne sommes pas une éliminée litis. Une éliminée litis, ça signifie au seuil du procès. Et en ce moment-là, vous aurez la parole. Voilà. Je crois que c'est terminé. Il ne s'agit pas d'une exception. Oui, il s'agit de quoi? Votre honneur, nous sommes de la partie de la défense. Nous sommes de la défense, votre honneur. Oui. Nous avons émis le vœu en son temps sur une mesure d'instruction à laquelle le tribunal n'a pas répondu. J'ai dit que le tribunal n'a pas répondu. Votre honneur, notre client est poursuivi pour avoir, entre guillemets, détourné des sommes qu'il a reçues de la République. Il a dit à l'intention du tribunal que ces sommes ont servi à la construction des maisons préfabriquées qu'on peut visiblement voir. Il y a des conteneurs qui se trouvent au niveau du port de Matadi, ainsi par-ci par-là. Voilà pourquoi il avait sollicité à l'intention de votre tribunal, qui peut-être, vu la fatigue qui nous avait gagnée, n'avait pas pris soin de nous répondre. Il s'agissait notamment de la demande d'une descente sur le lieu afin que votre tribunal puisse éclairer sa lanterne sur l'état d'avancement des travaux. Bien, maître, s'il vous plaît, je crois que vous avez peut-être été un peu distrait parce que à l'audience dernière, lorsque nous avons terminé l'audition des témoins, nous avons annoncé que l'instruction était terminée parce que notre religion était totalement éclairée. Lorsque le tribunal dit que sa religion est éclairée et qu'elle renvoie la cause pour plaidoirie, je crois que... Votre a répondu. Votre nom, nous avons évité d'évoquer la fatigue parce que l'âge de notre client ne permettait plus la poursuite des discussions. Non, ce n'était votre pas Votre nom, c'était un moyen de défense. Non, maître, on a renvoyé cette cause pour plaidoirie. Vous allez plaider. Oui, maître. Nous avons beaucoup de respect envers le tribunal. Nous ne souhaitons pas être invités à avoir une autre lecture de la conduite de débat par le tribunal. Nous venons ici avant l'amorce de toute plaidoirie, votre tribunal. Lorsqu'il est toujours impartial, pose toujours la question, quand bien même la promesse d'entamer les plaidoiries a été faite
à une des audiences antérieures, savoir s'il y a de par les parties des soucis, des compléments d'information. Mettez-nous en disposition psychologique de vous faire confiance. Parce que là, nous avons une pièce que nous n'avons pas discutée avec le tribunal. Quelle pièce? Nous avons un CD contenant les discours et orientations du président de la République. Nous n'entendons pas en faire état sans avoir discuté de cela en une audience publique. Au-delà de l'audience passée, qui, aux yeux de la défense, et même de tout observateur du procès, avait revêtu le caractère du procès d'usure, parce que les parties ont été entendues au moment où ils avaient épuisé toute résistance. Et en psychologie judiciaire, cela est interdit. Aujourd'hui, nous ne voulons pas être invités à constater que nous entrons dans une autre phase du procès de ruse. Et donc, qu'il vous permette... Le procès de... De ruse. C'est-à-dire de la part de qui? Non, non, ruse de la part de... Je suis en train de parler, de plaider avec mes mots que je n'emprunte pas du tribunal. Et que je n'entends pas emprunter... Le tribunal est prêt à comprendre pour vous répondre. C'est-à-dire... Parler de ruse de la part de qui? C'est une intimidation, je la retire alors. Cette pièce n'étant pas discutée, le tribunal ne peut pas inviter de manière péremptoire, vous devez plaider. La plaidoirie, c'est de connivence entre le tribunal et les parties. Vous dites que notre client serait complice ou co-auteur de certaines préventions par rapport à la construction de certaines maisons, dont certaines sont sur terrain. Votre tribunal se trouve éclairé sans se rendre compte de ses moyens de défense. C'est pourquoi nous versons séance tenante ce CD pour que le cas échéant l'on nous dise quand le chef de l'État... Bien, ok, maître, ça va. Je termine. Quand le chef de l'État s'adresse à la représentation nationale, l'Assemblée nationale, pour parler de 1500 maisons auxquelles on devrait ajouter 3000 maisons. Je termine, monsieur le Président. On a compris. Non, non, je justifie. Je ne serai pas long. Auxquelles 1500 maisons devraient être ajoutées 3000 maisons. Le ministère public, la République, ont-ils la lettre du président de la République adressée au gouvernement par laquelle il leur demande, parce qu'il est dit, qu'il devrait diligenter le décaissement. Si le chef de l'État n'agit pas par son directeur de cabinet, il aurait agi par quel autre moyen? Bien, est-ce que le discours qu'il a tenu, j'ai terminé par là, devant la représentation nationale, est-ce un mensonge à la population? Merci. Voilà raison pour laquelle nous produisons cette pièce à discuter. Merci, maître. Pour enchérir, monsieur le Président, oui. Nous devons débattre à armes égales avec le ministère public, qui est notre principal adversaire. Ce souci avait été soumis pendant l'instruction à votre tribunal, parce que vous souviendrez qu'à chaque fois que nous posions des questions au ministère public, il nous renvoyait au moment opportun, nous comprenons, à son réquisitoire. Mais le tribunal avait rencontré notre préoccupation et vous aviez donné une séance, une promesse ferme, monsieur le Président, qu'un temps sera donné à la défense pour poser des questions au ministère public. À la dernière audience, nous avons été surpris, après l'audition des témoins, qui a pris fin vers 22h30, 23h, avec la fatigue aussi, le tribunal d'autorité a renvoyé, sans pour autant entendre les parties, l'audience à ce jour pour plaidoirie.
sans pour autant avoir vidé cette préoccupation qui est liée aux lois de la défense, Monsieur le Président. Nous avons des questions à poser à l'organe de la loi. Merci. D'abord, d'abord partie civile, une réaction, puis le procureur va clôturer. Partie civile, vous avez une réaction. À l'entame de mon propos, de nous rappeler à nous tous les règles de notre profession dans les rapports avec le tribunal. Et c'est important que les conseils que nous sommes puissions mesurer les propos que nous tenons, Monsieur le Président, devant le tribunal. L'attitude de la défense, Monsieur le Président, est à la fois surprenante et instructive. Le prévenu général prend la parole. D'abord, pour vous dire qu'ils ont un moyen d'ordre public. Et ensuite, pour vous dire qu'il y a une mesure probatoire à laquelle le tribunal n'a pas satisfait. C'est pas la même chose, Monsieur le Président. C'est pas la même chose. Parce qu'il est apparu constant sur la question de maisons qu'il y en a 211. Et si votre tribunal doit se transporter... Maître, s'il vous plaît, nous avons déjà répondu à la préoccupation soulevée par... Merci, M. le Président. Si vous pouvez rencontrer celle soulevée par le conseil du prévenu Kamere. Alors, en ce qui concerne le prévenu Kamere, M. le Président, je ne sais pas comment il entend discuter du procureur avec le procureur général de son réquisitoire. La partie civile ne le comprend pas. Deuxièmement, il produit au débat un CD-ROM que vous avez sous les yeux, et j'ai cru entendre qu'il s'agit du discours du chef de l'État. Mais c'est cela, Monsieur le Président, le procès pénal. C'est à lui à qui il pose cette pièce à la barre de formuler une objection. Mais c'est intéressant qu'il produise cette pièce. Mais le débat, Monsieur le Président, ça ne sera pas une instruction. Parce qu'il s'agit du discours du Président de la République. Ben, la partie civile répondra. Bien, merci. Monsieur le procureur général. Oui, l'audience est suspendue au moment de la demande du procureur général pour des raisons techniques. Oui, la technique, venez arranger le micro du procureur général. Et voilà, l'audience est suspendue donc momentanément pour des raisons techniques. D'abord, on a eu assisté à la présence de l'avocat Moubiaï qui voulait se constituer partie civile. Et immédiatement, il y a eu réaction du tribunal. Ne peut se constituer partie civile qu'une victime, dit la loi. Et c'est le juge Bakenge qui nous a rappelé cela. La partie Jamal a dû soulever une exception d'ordre public. Et par la suite, la défense du prévenu Vital Kamere a pu présenter un certain nombre de préoccupations dont je reprends une phrase de l'un des avocats devant le tribunal. Il a demandé à ce que le tribunal puisse essayer de mettre toutes les parties en bonne disposition psychologique afin que la confiance soit établie, tout en présentant une pièce avant le plaidoirie.
et des questions également à poser à l'organe de la loi. Donc nous ne sommes plus pendant l'instruction à rappeler les juges. C'est déjà l'étape de plaidoirie. Et là, on est en train d'examiner du point de vue technique si ça sera possible qu'on puisse soumettre le support audio que vient de présenter la partie, la défense du prévenu Vital Kamerhe. En guise de rappel, l'audience de plaidoirie est fixée du point de vue étymologique par les juges pour permettre aux parties de présenter chacune leur argument. Dans la procédure pénale, la partie civile prendra la parole en premier pour soutenir les accusations du ministère public et justifier en quoi a-t-elle subi le préjudice par les actes de prévenus. En termes clairs, la partie civile qui se greffe à l'action du parquet va exposer les faits infractionnels reprochés aux prévenus pour solliciter in fine réparation. Faut-il encore que les faits mis à charge des prévenus soient établis. Et puis le ministère public va résumer les faits et présenter son réquisitoire final. Les prévenus prendront ensuite la parole pour présenter devant les tribunaux leurs moyens de défense. Et dans la finalité, le but est de demander au tribunal de rejeter les accusations, ce qui est une posture normale quand on est prévenu. Et le tribunal va accorder en dernier lieu la parole à chacun des prévenus pour son dernier mot. Et viendra ensuite la clôture des débats pour se prononcer dans les délais tels qu'est repris par la loi. Donc nous rappelons que les trois prévenus sont poursuivis pour trois préventions principales, notamment détournement des deniers publics, corruption et blanchiment des capitaux. Et c'est un dossier qui s'achemine petit à petit vers la fin. Mouyal, vous avez un mot à placer? Bon, nous sommes, comme si on est en train d'assister à une sorte d'arrêt. Merci, monsieur le président, pour la parole. De la procédure qui a commencé. Monsieur le président, avant que je place un mot avant le dénouement qui vient d'être dit, il conviendra à ce que vous puissiez demander à la défense et de prévenir Vital Kamerhe de retirer les mots qu'il a placés. Un procès de ruse. Monsieur le Président, par respect à votre tribunal, nous lui demandons de retirer ces termes-là pour que je puisse continuer. Maître Kamerhe, vous avez la parole pour retirer ce que vous avez dit. Je sais. Quand on manque d'arguments sur le droit, on exige à une partie opposée de retirer. Je retire. Okay. Mais qu'il soit fort sur les arguments de droit. Merci, ça c'est... Merci, monsieur le président. Le prévenu Jamal vient aujourd'hui pour dire qu'il a des exceptions à soulever, alors que cette cause ici a été instruite abondamment. Le tribunal a estimé avoir été largement édifié et la cause a été renvoyée à l'audience de séjour pour plaidoirie et réquisitoire. C'est le tribunal qui avait déjà décidé. Ce n'est pas par le plaisir d'une partie de ramener le tribunal à reprendre l'instruction qui a été déjà menée. L'instruction a été menée. Celui qui a besoin d'être édifié, c'est le tribunal. Ce n'est pas ceux qui sont à la barre, monsieur le président. On nous demande depuis le début de ce procès de donner les preuves du détournement à charge du prévenu Vital Kamerhe. Monsieur le président, nous avons fait une instruction ici. Et ils ont leur entendement de ce qu'ils appellent le détournement. Nous avons l'entendement que nous avons du détournement au regard des dispositions légales. L'instruction qui a été menée ici pendant 4 ou 5 audiences, nous avons pu réunir tous ces éléments à charge du prévenu. C'est à cela que nous disions à tout moment qu'au moment venu, nous allons agencer tout cela pour démontrer à votre tribunal qu'il y a eu détournement, monsieur le président. Le ministère public n'est pas là pour commencer à répondre aux questions de la partie prévenue. Le ministère public n'est pas en accusation, c'est le ministère public qui accuse. Ils ont soif de connaître ce que nous avons retenu, les éléments que nous avons comme preuve à sa charge.
qui nous donne l'occasion. Vous avez dit qu'on passe à la plaidoirie. Vous avez passé la parole à la partie civile. Mais ils ne veulent pas qu'on y aille, monsieur le président. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous plier à leur caprice? Je ne pense pas. Votre tribunal avait déjà instruit. Aujourd'hui, nous sommes à l'audience des plaidoiries. Qu'il convienne à ce que vous puissiez donner la parole à la partie civile de présenter ces doléances pour que nous puissions requérir à ce moment-là. Leur soif sera étanchée. Bien, merci. Ils vont comprendre de quoi. Merci. Merci, merci monsieur le président. Bien, suivez, s'il vous plaît. Nous n'allons pas perdre de temps. S'il vous plaît, suivez. Non, suivez. L'État va vous répondre. Suivez. L'État voudrait rassurer les partis au procès d'une chose. Que lorsque l'instruction est menée, c'est pour permettre au tribunal d'être éclairé. Parce que c'est le tribunal seul qui rendra la décision. Et je crois que tout au long de ce procès, les partis se sont exprimés librement de telle sorte que, à l'audience passée, le tribunal a estimé sa religion éclairée et a renvoyé pour plaidoirie. Et pour preuve, parce que le prévenu Caméré parle de ce CD qui contient les discours et les orientations du président de la République, le tribunal voudrait vous remettre en mémoire ce qui a été dit brièvement au cours des audiences d'instruction. Vous aviez toujours soutenu, prévenu Caméré, que vous agissiez sur instruction du président de la République, en ce que le programme qu'il avait arrêté pour ses 100 premiers jours devait absolument être exécuté. Et les différents intervenants, c'est-à-dire les différents témoins, nous ont éclairés sur cette affirmation. Et aujourd'hui, vous produisez un CD qui contient les dites instructions. Mais vous allez en faire état, certainement, lors de votre plaidoirie. Et au moment où le tribunal rendra sa décision, il vous répondra. Donc ce n'est pas à ce stade ici que le tribunal peut admettre ou rejeter un quelconque argument d'une des parties. Ici, le tribunal prend acte de vos arguments. Et lorsqu'il dit qu'il est éclairé, faites-lui confiance, le tribunal est réellement éclairé. Cela étant donc dit, il appelle la partie civile à plaider. Vous avez la parole. Oui, on fait acter. Attendez. Non, c'est décidé, maître, s'il vous plaît. Non, c'est décidé. On fait acter. Attendez. On fait acter. Attendez, maître, s'il vous plaît. On fait acter d'abord la comparution. De... Oui. Maître Bocolombé. Maître Bocolombé. Oui. Maître Arlette Odia Kachama. Maître Arlette Odia. Avocate au barreau près la cour d'appel de la Tchopo ainsi que du barreau de Kinshasa Gombe. Gombe Tchopo. Oui. Maître Gervais Kalongama, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci, il y a des avocats pour les provinces caméricaines qui viennent d'arriver. Ici, on n'a pas fini, votre honneur. Attendez, oui. Maître Christian Béachaoumba, avocat au barreau du Kouilou. Merci. Maître. Votre honneur, je suis Gérard Jules Dieudonné, Kabemba Mwanana Lualaba. Je suis avocat inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Oui. Maître Dioka Kassanda, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ok. Maître Mputu Mantieni, avocat au même barreau. Ok, merci. Parti civil. Merci beaucoup, monsieur le président, pour la parole. Non, maître, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît. Excusez-moi. Cher confrère. Maître civil nous a rencontrés. Maître, si... non, maître, c'est fini. Cette question. Cher confrère. Vous avez la parole, s'il je vous plaît. Je crois qu'il y a un minimum. Parti civil. Je pense qu'il y a un minimum d'épée. S'il vous plaît, c'est nous qui avons la police des débats. Vous avez la parole, parti civil. Merci beaucoup, monsieur le président. Vous aurez remarqué que ce dossier, ou plutôt cette plaidoirie, commence dans une effervescence d'une stratégie de quelqu'un ou de ceux qui ne veulent pas se défendre. Mais c'est un jeu d'enfant, parce que c'est un jeu qui ne nous mène nulle part. Alors, je commencerai cette plaidoirie telle que je l'avais prévue,
en commençant par ce que j'appelle les malentendus théoriques. Et mon excellent confrère, le bâtonnier, vous avez deux heures maximum, donc c'est chronométré. Je n'aurai pas besoin de deux heures. Ce qui se conçoit bien n'a pas besoin d'être dit en plusieurs mots. Je pense toujours à cette parole du Christ qui dit qu'il ne faut pas prier comme les païens qui multiplient les paroles. Justement, on multiplie les paroles quand on n'est pas convaincu soi-même. Et lorsqu'on n'est pas convaincu soi-même, on ne peut pas convaincre le tribunal. Voilà pourquoi cette agitation de tout à l'heure, ça traduit un manque de confiance en soi, un manque d'arguments. Alors, quels sont ces malentendus théoriques avant que mon estimé confrère revienne sur les infractions elles-mêmes? Les malentendus théoriques. En suivant ce procès pendant ces quatre audiences, je suis arrivé à quelques malentendus théoriques. Le premier malentendu, c'est que les prévenus ont tendance à croire qu'il y a deux auditoires. Il y a le tribunal qui doit être convaincu et qui dit qu'il l'est déjà, en tout cas qu'il a sa religion éclairée. Et il y a cette opinion publique qui nous suit de par le monde. Et toute la stratégie de la défense consiste à confondre ces deux auditoires. Or, moi, comme avocat de profession, comme eux d'ailleurs, qui sont des excellents confrères, nous savons que seul le juge doit être convaincu. Voilà pourquoi moi, je me suis préparé à venir convaincre les juges. Pas l'opinion publique, mais l'opinion, oui, mais l'opinion intéresse l'homme politique et non l'avocat, et non la défense, et non les acteurs judiciaires dans cette audience. C'est un malentendu qu'il fallait lever. Le deuxième malentendu sérieux, et celui-là il est vraiment sérieux parce qu'il est d'ordre juridique, ce qu'on ne se comprend pas très bien sur la notion de contrat de marché public. À la deuxième ou troisième audience, le prévenu Kamere vous a même dit que le contrat pouvait être verbal. Il vous l'a dit. Et quelque part dans ce développement, il vous a même dit qu'il était possible de régulariser. C'est pourquoi j'ai failli intituler ce procès ou cette plaidoirie, la plaidoirie de rattrapage. De rattrapage. Et vous verrez que toute la succession d'actes dont je vous avais parlé à la première audience, ce ne sont que des actes de rattrapage. Comment ? Le contrat de marché public, quelle est sa nature juridique d'abord ? Ce n'est pas un contrat de droit privé, c'est un contrat de droit public, et plus précisément un contrat de droit administratif. Cette qualification a quelque chose d'important en droit, parce que justement, lorsqu'un contrat est de droit public, sa nullité a une nature différente que la nullité d'un contrat de droit privé. Je suis obligé de dissiper ces malentendus. Les confrères reviendront peut-être plus tard dans les répliques sur cela. Un contrat de droit public est soumis à des règles d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des règles auxquelles on ne peut pas déroger et qui entraînent, en cas de violation, une nullité absolue. Et la nullité absolue, dans la théorie générale du droit, interdit toute confirmation postérieure. Donc, tout rattrapage est interdit. Tout rattrapage est interdit. C'est très important de le savoir dès l'abord, dès l'entame de cette plaidoirie, parce que M. Kamere et les prévenus qui sont encore réités avec lui viendront vous dire oui, mais nous avons tenté de nous rattraper. C'est tellement grave, parce qu'au commencement de ce procès, c'est ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a déjà un plan de décaissement qui est fait et qui indique même le montant qui doit être payé pour Samibo et SARL. Mais ce plan est antérieur à la facture elle-même. Et cette facture est antérieure au contrat, à l'avenant, au contrat qu'il invoque lui-même. Donc vous voyez qu'il est dans un processus de régularisation. Si la régularisation existe en comptabilité publique, elle n'existe pas en droit des contrats de marché public. Donc ce malentendu doit être dissipé dès le départ. Je ne reviendrai pas sur cet avis d'un des témoins ici, mais je crois que c'est M. Bilomba qui contestait des diplômes qu'on achetait ailleurs. Parce que je pense qu'il ne parlait pas du Congo, parce qu'avoir la qualité des gens qui sont ici, le Congo a produit des gens suffisamment compétents pour savoir quelles sont les conditions légales de la passation des marchés publics. Et ces étapes sont indiquées dans la loi. Peut-être pour ne pas vous distraire,
Je prends ces étapes. Ces étapes se retrouvent dans l'article 194 déjà du manuel de procédure qui dit ceci. S'agissant de l'avenant, un avenant n'est valable que si, il y a un que si il a obtenu la non-objection de la Direction générale du contrôle de marché public. Et des deux, s'il est approuvé par l'autorité approbatrice compétente, compte tenu du montant du marché augmenté de celui de l'avenant. Alors, mon honoré confrère reviendra sur les détails techniques de cela. Mais vous voyez déjà que ces deux conditions viennent à manquer. Et donc, c'est des choses qui ne peuvent pas être faites après. Alors, deuxième malentendu qu'il faut évacuer, c'est les règles de l'administration de la preuve en matière pénale. Le prévenu Kamere et à sa suite, beaucoup d'autres personnes, et même ses conseils, ont exigé un procès pièce contre pièce. Oui, oui, mais ce raisonnement est valable en matière de procès civil, qui a une autre règle qui préside à l'administration de la preuve, qui est la hiérarchie de mode de preuve. Et là-bas, c'est l'écrit contre l'écrit. Mais en matière pénale, il faut que ce soit entendu de tous, que la procédure pénale obéit plutôt à une autre règle, qui est la conviction du juge, mais qui n'est pas une conviction arbitraire, mais une conviction qui s'appuie sur des éléments de preuve qui soient administrés de manière libre par les parties. Il faut que ce soit clair déjà pour tous. Et donc, lorsque nous parlions à la première audience d'une infraction, non pas intellectuelle, comme j'ai lu chez certains semi-juristes, mais plus d'intellectuels, mais plutôt par des intellectuels, on ne va pas quand même pas s'entendre que M. Kamere vienne vous dire « Regardez dans mes poches si vous ne trouvez pas l'argent du détournement. » Ce serait très facile. Mais puisque c'est un intellectuel, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes dans un processus de toile d'araignée. Dans cette toile d'araignée, il y a un chef d'orchestre. Et puis il y a des mains. Il y a les mains qui agissent. C'est ça le processus criminel que nous devons démontrer. Ce n'est pas produire des pièces, encore que nous en aurons tout à l'heure, que nous allons vous produire. Puisque vous avez dit que le procès pénal, les pièces sont produites. La seule règle, c'est que ces pièces doivent être soumises au contradictoire devant toutes les parties. Alors, un autre malentendu, et c'est ce malentendu qui porte d'ailleurs sur ces fameux CD, c'est les fameuses annotations du chef de l'État. Au départ, on vous a dit que c'était sur l'instruction du chef de l'État, donc je pensais qu'il y avait des annotations écrites. Mais maintenant, on évolue, on vous dit non, il ne s'agit pas d'annotations écrites, il s'agit d'un discours. Bon, mais même à supposer que ce discours soit une instruction. Mais est-ce qu'une instruction vaut-elle un contrat ou un mandat criminel donné au prévenu d'aller faire autre chose que ce pourquoi on a été envoyé en mission? Donc vous verrez bien que c'est des choses qui ne tiennent pas. Mais peut-être nous reviendrons là-dessus. Alors, le schéma criminel. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une toile d'araignée. Au centre de tout, il y a Vital Kamere. Ils accèdent au pouvoir le 24 janvier. Le 25 janvier... Il paralyse le gouvernement et les entreprises publiques par un communiqué. C'est évident, ça c'est un fait constant dans le dossier. Mais en dehors de Vital Kamere, il y a sa famille biologique et sa famille politique. Dans sa famille biologique, il a un certain Massaro qui connaît les enfants Jamal. Et les enfants Jamal qui connaissent Massaro. Et Massaro se met en contact avec M. Jamal, qui au départ avait déjà un contrat depuis 2018 de 900 maisons sur 9 provinces, non exécutées faute de moyens, malgré l'ordre de mission qui avait été déjà lancé, malgré la demande de fonds de 7 500 000 dollars qui avait été déjà engagé. Ce contrat n'est pas exécuté. Alors, bon, on va dire, mais faites, mais M. Jamal, je pense qu'on peut recommencer ce dossier. Mais au lieu de rester sur 26 millions qui sont des cacahuètes, allons sur un montant plus important. On va sur le montant de 57 500 000. On dit, mais on peut réduire même d'ailleurs le nombre de provinces. Au lieu de 9, on en revient à 5. Voilà les faits.
Et quand vous demandez à Massaro, mais est-ce que vous connaissez Jamal de Paris, Tutib, il dit oui, oui, je l'ai connu par ses enfants. Mais à la première audience, rappelez-vous, M. Kamere et M. Jamal vous ont dit de manière claire, de manière sérieuse, comme une crise cardiaque, qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils ne s'étaient jamais vus, même si plus tard, à la dernière audience, peut-être après avoir médité autrement, ils sont arrivés à dire qu'ils se sont vus pour M. Kamere pendant 2-3 minutes peut-être. 2-3 minutes peut-être. Et pour Jamal, oui, une fois ou deux fois. Et donc, ils ont une sorte d'amnésie sélective. Tantôt, ils se rappellent qu'ils se sont vus, et tantôt, ils oublient qu'ils se sont vus. Mais un seul élément montre qu'ils se sont vus. Mais c'est le plan de décaissement, un seul document. Mais comment pouvait-il, le 1er mars 2019, prévoir un paiement pour Samibo qui ne lui avait adressé ni contrat, ni facture? Ce serait soit un cadeau, soit une révélation du Saint-Esprit. Mais je ne crois pas que le Saint-Esprit agit dans ce genre de circonstances. Il le sait, parce que la facture arrive après. Elle arrive le 6. Mais il a déjà indiqué que Samibo doit être payé. Non pas le montant qui était dans le contrat de 26 millions, mais un autre montant. Celui qui sera d'ailleurs payé plus tard. Donc vous vous rendez bien compte qu'il s'agit des gens qui se connaissent. Et là, je comprends son argument premier. Son argument premier est de dire, mais un contrat de marché public peut être verbal. Ah, là, je comprends. Mais pour qu'il soit verbal, il faut que les gens se soient rencontrés. C'est de la logique. C'est de la logique. Vous voyez que dans ces fatras de faits, dans ces fatras d'éléments isolés, on peut trouver une logique. C'est cette logique-là qui va vous amener au détournement. Mais lorsque cet argent arrive, qu'est-ce qu'il fait? Puisque tout le monde est paralysé, parce que l'autorité contractante s'appelle au départ le ministère du Développement Rural. Cette autorité contractante, c'est elle qui doit solliciter le paiement au profit du titulaire du marché qui est Samibo Espéré. Non, ce n'est pas cette autorité, c'est plutôt le directeur du cabinet du chef de l'État. Agissant cette fois-ci, non pas comme directeur de cabinet, parce que dans l'ordonnance qui crée le cabinet du chef de l'État, il n'y a aucune compétence particulière pour aller réclamer l'exécution d'un contrat de marché public. Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sollicite et obtient le paiement de la totalité, au mépris du contrat lui-même qu'il invoque. Puisque ce contrat dit, en première tranche, 30%. Mais avant même 30%, les agents du ministère du Développement Rural devait faire un voyage en Turquie pour checker, pour contrôler la qualité. Ça, tout ça n'est pas fait. Mais je vous dirai plus tard pourquoi tout ça n'est pas fait. Pourquoi on passe outre. Et vous avez posé intelligemment cette question. Vous avez dit, mais quels sont les engagements des parties dans le contrat? Mais le prévenu Kamel vous a dit, ce n'est pas son rôle de lire le contrat. En d'autres termes, dans ce contrat, une seule disposition l'aurait intéressé, c'est le prix. 7 500 000. Mais le reste des engagements des partis, ce n'est pas son affaire. Mais pour quelqu'un qui est sorti d'une bonne école, de l'université de Kinshasa, qui a de l'expérience, qui est un intellectuel, vous l'a dit à la première audience, c'est quand même curieux qu'il ne lise qu'une seule disposition du contrat et pas les autres. Et pas les autres. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, mais oui, mais puisque l'argent est arrivé chez les tiers. Parce que le vrai problème du détournement, contrairement au vol, on doit trouver le bien volé entre les mains du voleur. Mais pas ici, pas le détournement. Le détournement, c'est peut-être même au bénéfice d'un tiers. Ici, l'argent va chez un tiers. Mais curieusement, nous constatons des mouvements suspects tout autour de cette famille biologique. Vous avez entendu les gens, vous verrez les pièces, vous les avez. Des mouvements d'argent. Des gens qui avaient 28 000 dollars au 31 mars 2018. Tout d'un coup se retrouvent tous autour de 400 000, 500 000, 800 000. Tout ça c'est curieux, toujours au moment où le premier paiement a eu lieu. C'est curieux. Et plus tard, parce que on garde toujours le meilleur pour la queue. Et en même temps, comme disait le latin ou de Wenenum, c'est vers la fin, je laisse le plaisir à mon estimé confrère plus tard de revenir sur une pièce capitale qui montre cette intention. Et vous avez tout autour
de la famille biologique, Massaro, tout agent de la SONAS qui se retrouve en train d'acheter des immeubles à la vente publique à 1 120 000 $, d'acheter des maisons à 600 000 $ à la même période, c'est-à-dire avril-mai 2019. Il y a un enrichissement qui ne s'explique pas. On vous dit non, ce sont des réserves, ce sont des économies. Mais on n'indique pas l'origine de ces économies. Pire encore, on achète quelques immeubles dans la ville. Mais tous ces immeubles, puisque le crime ne peut pas être parfait, ont connu un seul monsieur comme chargé des démarches administratives. Ce monsieur Tanier Mécha. Ce monsieur Tanier Mécha dépose devant l'officier du ministère public pour dire oui. Voilà la liste de tous les certificats d'enregistrement. Et il ajoute, d'ailleurs, je les ai tous en original, moi. Je les ai tous en original. Et d'ailleurs, c'est M. Tamere qui m'a demandé de les garder. Et quand on regarde cette liste, on ne voit pas un seul document au nom de M. Tamere, à part un terrain qu'il aurait encellé dans une île, quelque part là-bas. Mais tous les biens sont au nom de membres de sa famille. Et curieusement, sa famille politique s'invite. Pour une fois, lorsqu'on établit un titre de propriété, ce titre de propriété se retrouve demandé dans un ministère. C'est le ministre Sakombi, curieusement, de la même famille politique que lui, qui apparaît, qui vous dit, écoutez, amenez-moi le certificat. Les témoins ont été entendus. Les procès-verbaux sont au dossier qui indique qu'il a demandé. Et se rendant compte donc de cette toile d'araignée, qui a quelques fissures déjà, parce que le 23 janvier déjà, Mme Soraya était cessionnaire d'un terrain. Se rendant compte de cette difficulté, vous avez vu le débat qui s'est passé la dernière fois. On dit oui, mais moi j'ai acheté. Mais celui chez qui on est censé avoir acheté, dit, Jamal dit non. Même si je ne parle pas très bien français, je ne me trompe pas. Je n'ai pas vendu, j'ai donné cadeau. J'ai donné cadeau. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que son avocat, Maître Ticha Bokolombe, a écrit, parlant de cession, parle de cession, il ne parle pas de vente. Donc, on est dans un processus de rattrapage des erreurs. Mais ce processus va même plus loin, monsieur le président, il va atteindre même le parquet général de la Gombe. On ouvre un faux dossier. On ouvre un faux dossier, parce que M. Tamer vous a dit, rappelez-vous, que lorsqu'il a vu dans les réseaux sociaux que sa fille, ou plutôt sa belle-fille, était devenu cessionnaire d'une parcelle sur la baie de Ngaliema, il fallait faire annuler ce contrat. Très bien. Et il en aurait parlé au chef de l'État. Très bien. Mais il est allé plus loin, sans le faire ouvertement. On est passé par le parquet près de la cour d'appel de la Gombe, qui a ouvert un dossier, je ne sais contre qui. Mais au cours de ce dossier, on a intimé l'ordre au conservateur d'annuler le certificat d'enregistrement de Soraya. Ça a été fait, vous verrez le certificat là-dedans. Il y a le procès verbaux dans le dossier. Mais monsieur le conservateur étant un homme intelligent, il dit, mais oui, mais je vais annuler sur quelle base? Parce que les actes sont faits régulièrement. Il a établi, il a annulé, bien sûr, pour des questions de superficie, mais il a rétabli le titre au nom des partis. De telle sorte que cet argument de rattrapage n'a pas pu tenir. N'a pas pu tenir. Parce qu'en avril, les contrats de concession perpétuelle, ou plutôt de contrats de bail, a été établi bel et bien au nom de Soraya. Malgré les dénégations déjà de son père, plutôt de son beau-père, que ce contrat était mauvais. Donc il était tout à fait au courant au moment où il signait en 2019 le paiement, en avril 2019, que le contrat avec Soraya existait parce qu'il était déjà au parquet. Donc voilà pourquoi je vous disais que l'ensemble des actes isolés va nous indiquer finalement le processus. Alors s'agissant de son épouse, vous l'avez entendu, vous avez vu comment elle s'est battue, mais en faisant une belle récitation. Mais comme toute belle récitation, les récitations ont toujours des défauts. Alors madame vous dit au départ qu'elle est commerçante. Mais elle ne connaît pas sous quel registre de commerce elle exerce ce commerce. Mais elle se rappelle qu'il y a quand même 826 000 $
qui ont été donnés en cash à son mariage, 33 000 euros en cash, 10 millions de francs CFA, 4 véhicules neufs. Et tout d'un coup, cet argent qui est donné au mois de février, parce que c'est un mariage public, en tout cas, qui a connu une belle publicité, mais cet argent ne se retrouve sur le compte qu'en une seule fraction au mois d'avril, exactement après le 8 avril, c'est-à-dire après le paiement de la première tranche de 14 millions donnée à Samigo. C'est des coïncidences. Le Saint-Esprit agit. C'est possible. Il peut agir que les gens d'une famille aient de l'argent tous presque au même moment, achètent leur bien presque tous au moment. Mais le Saint-Esprit agit. Mais le Saint-Esprit agit dans le bien. Il n'agit pas de cette manière-là. Parce que le directeur de cabinet, tout puissant qu'il est, il a un salaire connu. Il a un salaire connu. Ce salaire, on peut le retracer. On peut le retracer. Et il est incapable, ce salaire-là, d'acheter ce bien-là dans une année. C'est impossible. C'est impossible. Encore que je ne veux pas aller plus loin parce que le code de l'éthique interdit d'ailleurs aux agents publics et à leurs épouses, même par personne interposée, de faire le commerce. Et donc, cette voie-là n'est pas la meilleure de toutes les manières. Voilà comment cela se passe. Et au-delà, il y a M. Mouima. M. Mouima. Malgré l'article 6 du contrat qu'ils invoquent eux-mêmes, mais qu'ils ont mal lu. Puisque ce contrat, l'article 6 parle du titulaire du marché. Dans l'entendement des autres, dans la République, tout à l'heure, vous nous disiez, oui, mais c'est plutôt le gouvernement congolais qui doit payer les taxes, la douane. Elle dit, non, non, le mot titulaire dans le droit de marché public infère d'abord au soumissionnaire dont l'offre a été acceptée, c'est-à-dire à la personne qui a obtenu le marché public. Ça ne peut pas être l'État. Et donc, il y a comme une sorte d'entente. Je ne dirais pas préalable, mais d'entente commune. C'est ce que la jurisprudence d'ailleurs exige. D'entente commune pour que l'argent de l'État atterrisse dans les bonnes mains et ne fasse pas ce qu'il doit faire. Mais maintenant, on va vous donner un dernier argument. On dit, oui, mais il y a 211 maisons. Il y a 211 maisons. Oui, il y a 211 maisons, on sait le voir. Mais où est l'argent dans tout ça? Parce que l'argent avait été donné au mépris et de lois de la République, des règlements de la République et du contrat lui-même, pour que cela soit fait dans l'urgence. Et le ministre Yav a été encore plus disert, parce que certainement sorti de bonnes écoles, il n'a pas voulu dire beaucoup de choses, mais il a sorti une belle phrase. Il dit, monsieur le président, le directeur de cabinet m'a fait comprendre la priorité qu'il y avait dans ce dossier. La priorité. Cette priorité qui est allée jusqu'à toucher aux réserves internationales. Et donc, on ne peut pas revenir une année après pour nous dire qu'il y a 211 maisons. Sinon, la priorité s'est émoussée, il n'y en a pas. Pourquoi fallait-il aller si vite si, en fin de compte, on est allé si lentement? Pourquoi? Et donc, c'était une manœuvre de rattrapage. S'étant rendu compte que finalement, tout était bouclé, que la faute était là. Alors le prévenu Kamere et sa suite ont commencé à chercher. Mais plus grave encore, Mouima, qui va toucher de l'argent de la République, a un comparse, qui est également un membre de la famille politique de M. Vital Kamere, M. le ministre Ntumba John. Je n'ose pas que c'est appelé excellence, parce que le mot excellence, je crois qu'il doit avoir un contenu moral. Mais ce ministre se promène avec de l'argent de la République. Dans le coffre de sa voiture, se retrouve à Matadi pour importer, non pas les maisons, finalement, des voitures de la présidence. Finalement, quoi? Il importe le véhicule, il importe les meubles et des appareils matériels qu'on a vu peut-être à la télévision être donnés comme des cadeaux dans des hôpitaux. Mais ça s'appelle comment tout ça? C'est ça, les détournements, monsieur le président. Voilà pourquoi je m'en tenais d'abord à faire lever ce malentendu pour passer la parole à mon excellent confrère qui va revenir sur chacune des préventions et me réservant la parole plus tard pour des répliques
éventuelle sur des questions vraiment de droit. Parce qu'en réalité, ce dossier est un dossier juridique très intéressant. Un dossier pédagogique qui va donner l'occasion au peuple congolais de savoir quelles sont les infractions dont on est susceptible lorsque on gère les deniers publics. Parce qu'en fait, la République, c'est quoi? La République, c'est nous tous. C'est notre vouloir vivre ensemble. Mais notre manière aussi de nous répartir les ressources pour avoir une vie meilleure. Mais si quelques-uns d'entre nous, parce qu'ils ont simplement créé des partis politiques, peuvent accéder à ces charges et gèrent nos biens communs comme si c'était leur propre poche, c'est une occasion pédagogique de les corriger et de manière claire. Parce qu'au fait, en dehors de l'adhésion ou de l'appartenance à un parti politique, mais il y a beaucoup de Congolais qui ne sont membres d'aucun parti politique, mais qui sont d'une compétence avérée. Je ne sais même pas pourquoi on ne les nomme pas. Pourquoi on s'agglutine dans des petits partis politiques qui forment des gens qui se comportent de la sorte. Ils se comportent tel qu'on a dit. Je ne voulais pas dire d'autre chose de désagréable, mais de cette manière-là de se comporter. Il y a tout, sauf de la rigueur, sauf du sérieux. Malgré tout, les conseils qui lui ont été donnés, notamment par un des témoins, M. Kangoudia, qui est son ami. Quelle est la réponse du prévenu Kamere? Il a convaincu le chef de l'État. C'est ce qu'il nous dit. On lui dit dans la salle, il dit, mais écoutez, j'ai vu M. Jamal dehors, là, je le connais depuis la RTNC, il n'a jamais fait les travaux, il a réclamé 25 millions de dollars, ne faites pas cela. Il dit, non, il a convaincu le chef de l'État. Est-ce l'attitude d'un cadre responsable? Parce qu'en réalité, dans le procès pénal, ce n'est pas seulement les actes, c'est le comportement de l'infracteur qu'on juge. On juge un homme, on ne juge pas de papier. C'est pour ça que dès le départ, je vous avais dit, lorsque je l'ai vu s'agglutiner à debout de papier, je dis non, on juge le comportement. Le comportement de l'infracteur est-il le comportement d'un père de famille, diligent, moyennement intelligent? Or, ici, on vous a vanté qu'on n'est même pas moyennement intelligent, on est carrément intellectuel. Qui est un terme que moi-même je n'ose pas m'attribuer. Être intellectuel, c'est appartenir à une classe sociale. Cette classe sociale, c'est une classe sociale non pas seulement des gens qui détiennent des diplômes, mais des gens qui ont comme la morale, le bien commun, comme valeur absolue. C'est ça les intellectuels. Il ne faut pas confondre avec les universitaires. Les universitaires sont tous ces gens qui ont des diplômes. Et ils sont nombreux au Congo. Mais intellectuel, c'est une classe d'individus rares. Même en Europe, vous les trouvez rarement, les intellectuels. Et donc, on s'est donné des mots, j'appelle ça l'hybris du pouvoir, parce que généralement, quand on est au pouvoir, on se croit doté d'une intelligence supérieure du fait d'être assis sur une chaise. Alors que l'intelligence est un arrêt bien partagé, peut-être par d'autres personnes. Voilà, Monsieur le Président, je ne veux pas abuser de votre temps. Tout ça, c'était les malentendus théoriques. Je passe donc la parole à mon estimé confrère pour vous exposer les faits et les moyens de droit et me réserverai le droit de revenir dans les timings qui est le nôtre. Merci, monsieur le bâtonnier, allez-y. Non, s'il vous plaît. Pendant la plaidoirie, vous allez répliquer. Ce ne sont pas des attaques personnelles, s'il vous plaît. Ce ne sont pas des attaques personnelles. C'est la plaidoirie, ce ne sont pas des attaques personnelles. Allez-y. Mais vous allez parler, ne vous en faites pas. Allez-y. Monsieur le Président, Monsieur le Juge, Monsieur le Procureur Général, la vérité, c'est prendre son temps. Et heureusement que le temps est le meilleur allié de la vérité. Et ce procès, Monsieur le Président, permet de lever un voile. Je dirais même l'omerta sur la manière dont sont gérés les finances publiques
de l'État. Et donc, pour nous, Parti civil, monsieur le Président, il permet de sonner le glas d'une nouvelle ère pour la justice et une autre gouvernance dans le pays. Je rebondis sur les pertinentes observations de mon excellent confrère pour non pas vous donner une narration des faits à la manière que nous aurions pu le faire au civil. Je prends une approche chronologique à travers laquelle, monsieur le Président, ce que le grand anglais appelle l'actus reus, la mens rea, seront démontrés. La matérialité des agissements dont sont convaincus les prévenus au titre de détournement, de corruption et de blanchiment des capitaux. Monsieur le Président, rebondissant sur la plaidoirie du professeur Kalouba, et ceci me semble dès l'abord important également, c'est le procès pièce contre pièce. Il a si bien dit que ce n'est pas l'essence du procès pénal, parce que ici, monsieur le Président, les gestes, les comportements, les faits même anodins peuvent vous permettre d'asseoir votre conviction. Et donc, monsieur le Président, pour la partie civile, ce n'est pas de vous amener une décharge signée par notamment le prévenu Caméré, où il dit, moi, Caméré, je reconnais avoir reçu autant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais les liens, les corrélations vous permettent d'en inférer que ces comportements sont constitutifs des infractions pour lesquelles le ministère public les a poursuivis. Et je m'en vais, monsieur le Président, pour preuve. Vous l'avez entendu ici, et nous allons revenir sur cela. Quand le ministre des Finances, qui est un homme éduqué, vous dit que le directeur de cabinet m'a fait comprendre, ce n'est pas par un écrit. Parce qu'il y a eu des appels téléphoniques, il y a eu des réunions qui n'ont pas été sanctionnées par un écrit. Et les preuves les attestent. Deuxième élément, monsieur le Président, pour vous faire comprendre que le procès de pièce contre pièce n'est pas ce procès, un témoin important, le comptable public à la présidence, vous a dit ici dans quelles circonstances il a dû remettre de l'argent à XY. Et il l'a fait sur instruction au téléphone. Il n'y a pas d'écrit pour cela. Il n'y a pas d'écrit. Mais vous l'avez entendu, ça n'a pas été contesté. Et les procès verbaux d'audition qui sont dans votre dossier les attestent. Donc il est bon que les choses soient claires dès le départ. Monsieur le Président, dans ce procès, il y a des constances. La première constance, c'est que Samibo, qui est une société mallette,
qui n'ont pour, on va dire, responsable que les prévenus Jamal. Ceci n'est pas de moi, ceci est de son comptable qui a été auditionné. Et lorsqu'on lui pose la question, au sein de cette société, quel est le personnel? Il n'y a personne. Sauf que quand ils vont dans le magasin, un électricien, rien d'autre. Le dossier que la partie civile va déposer, monsieur le président, à peu près de 600 pièces, vous trouverez dedans les informations de la direction générale des impôts, précisément du centre d'impôts de Kinshasa, qui atteste que Sanibo est une société introuvable. Et les faits attestent, parce que Sanibo est à la fois sur l'avenue de la paix, sur l'avenue du Tchad, sur l'avenue des aviateurs. Et vous avez compris que même s'agissant de l'exécution du marché, aucun personnel. Les gens devaient venir de Turquie, d'un peu partout à travers le monde. Ça, c'est une constance établie. Aucune déclaration de la TVA, aucune déclaration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous comprendrez pourquoi, monsieur le président, il a une grande responsabilité. C'est cette société-là qui prend un marché. Donc, première constance. Deuxième constance. 2018. Et un de témoins a dit ici dans quelles circonstances Sanibo atterrit au gouvernement. Un contrat est signé, 900 maisons, 26 millions. Il est intéressant, monsieur le président, sur cette question, que votre tribunal ne se méprenne pas sur le processus. Il y a une autorisation de passer le marché de gré à gré. Une fois que cette autorisation est donnée, le contrat est signé. Pour qu'il soit signé, il faut obtenir un avis de non-objection. Une fois que l'avis est donné, le contrat est signé, il remonte vers l'autorité approbatrice, qui est le Premier ministre, qui approuve. Et donc, à partir de ce moment-là, on quitte la phase administrative pour aller vers la phase d'exécution. Dans le dossier de la partie civile, nous vous avons mis ces pièces-là. Et donc, Sanibo a ce contrat, 2018. Et pour être complet sur cette question, monsieur le président, une lettre de monsieur le Premier ministre, Tshibala à l'époque, est adressée au ministre du Budget pour solliciter, au titre de la première tranche sur ce marché, 7 250 000 dollars américains que le gouvernement n'a pas pu mobiliser parce que vous avez entendu qu'il fallait organiser les élections. Donc ce contrat, on en est là, monsieur le président. Qu'est-ce qui advient et qui commence à mettre le lien? Parce que, monsieur le président, je ne veux pas ici vous développer de manière tout à fait classique sur le plan de la constitution des infractions, l'élément matériel qui en réalité ressort des faits, l'intention délictueuse qui, vous allez vite le comprendre, parce que ces connexions vont être faites pour arriver à la conclusion de l'infraction. Les élections sont organisées en 2018 et le président de la République est élu. Il est investi. Acte premier, monsieur le président, nous en aurons à peu près 5, les actes du procès.
acte premier, il est posé le 25 janvier. C'est le communiqué officiel. Nous avons entendu, Monsieur le Président, une explication qui désormais fait tache d'huile. Dès que la première audience vous posait la question, on escamote et on est allé comme ça jusqu'au bout. On vous a expliqué que qu'est-ce que le président devait faire, devait-il croiser les bras. On a développé une théorie autour des changements. Et Monsieur le Président, dans ce pays, nous avons connu beaucoup de changements de pouvoir. Je peux me tromper, mais j'aurais été instruit d'avoir un seul gouvernement en train de sortir ou qui vient, qui ait pris un communiqué de cette nature. Un seul. Et donc, le premier acte, c'est le prévenu Kamir. Le premier acte. Tout est suspendu, pas d'engagement, pas de liquidation. Les cas exceptionnels seront soumis à l'autorité préalable de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'exécutif. Nous sommes le 25 janvier 2019. C'est important les dates, Monsieur le Président. C'est très important. Deuxième acte, Monsieur le Président, c'est le 1er mars. Mais avant d'arriver au 1er mars, qu'est-ce qui se passe? Pour bien comprendre la trame, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que un programme d'urgence est élaboré. Et un des prévenus vous a dit ici, on a cherché dans les tiroirs des ministères qu'est-ce qui existait comme programme. Mais Monsieur le Président, un fait extrêmement important, un détail important, parce que dans le dossier, il vous a été produit déjà le 23 ou le 24 janvier une donation faite par le prévenu Jamal au sulfureux Massaro, déjà, période qui correspond à la prestation de serment. Il y a une donation. Et votre tribunal va comprendre quel est le lien, Monsieur le Président. Le président de la République fait son speech à l'IMETE le 2 mars. Le 2 mars. Mais déjà le 1er mars, le prévenu Kamere fait une correspondance. Le 1er mars. Bon, le président n'a même pas encore fait le discours pour annoncer officiellement le programme des 100 jours qui est intervenu. Je peux me tromper et je suis prêt à me faire corriger si je me trompe de date. Mais le discours du président est du 2 ou du 3, entre les deux. Mais déjà le 1er mars, à leurs excellences, Monsieur le ministre d'État, budget et finances, action amenée par le chef de l'État, financement par procédure d'urgence. Le contenu de cette lettre vous a été donné. Mais c'est intéressant, Monsieur le Président, pourquoi? À cet effet, il me charge de vous informer que les dites actions chiffrées à 304 millions de dollars seront financés en partie par le Trésor public, le FONER, le FPI, respectivement pour un montant qui est indiqué, suivant les détails repris dans le tableau en annexe. Monsieur le Président, ce tableau en annexe, il est là. C'est un tableau de synthèse qui reprend le secteur, le coût total et la discrimination de financement. Et ce film, Monsieur le Président, il n'est pas anodin. Pourquoi?
Parce que dans ce programme, dans ce tableau de synthèse, le domaine de l'habitat a aussi comme montant 57 600 000 dollars américains. Le 1er mars, où est-ce que le laboratoire de ce plan a trouvé le montant de 57 millions? Où? Le président n'a pas encore parlé. Où est-ce qu'on est allé trouver le montant? On a tenté de se retrancher derrière le contrat Vitacura, mais l'instruction a démontré qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce contrat. Et si, à l'impossible, ce contrat est pris en compte, mais ce montant, ce n'est pas 57 millions. Nous sommes le 1er mars. Ça veut dire quoi, monsieur le président? Ça veut dire que les gens se sont rencontrés. Les gens se sont parlé. Ils n'ont quand même pas, je n'évoquerai pas le Saint-Esprit, mais ils ne sont pas si... pour savoir que l'habitant va avoir 57 600. Et vous allez comprendre, monsieur le président, parce qu'on cherche la connexion très facilement, tout le lien qu'il y a entre les prévenus. Donc, à cette lettre du 1er mars, il y a un tableau. Je vous signale que ce tableau a évolué. Pourquoi? Parce que, dès le discours du président de la République, le 2 mars, vous avez un plan de décaissement sur base duquel le ministre des Finances instruit la Banque centrale du Congo de payer. Ce plan de décaissement, il est daté du 8 mars. Mais, monsieur le président, avant le plan de décaissement, qu'est-ce qui se passe? Dès que le ministre des Finances reçoit la lettre du directeur de cabinet, le 5 mars, le très digne monsieur le ministre des Finances répond à monsieur le directeur de cabinet du président de la République. Je ne veux pas vous en donner la lecture, monsieur le président. Qu'est-ce qui attire l'attention? Et le ministre des Finances écrit sur deux pages où il explique que pour ne pas perturber le cadre macroéconomique, il propose des sources de financement. Parce qu'il n'aura pas échappé à votre tribunal que la lettre du 1er mars demandait au ministre des Finances d'entamer les réserves de change. Et ceci est important parce que les postulations civiles de la République vont devoir s'appuyer là-dessus. Et donc, le ministre des Finances, le 5 mars, est obligé de réagir en deux pages que votre tribunal lira. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas, qu'on ne connaissait pas, que personne n'a rien dit. Ce n'est pas possible, monsieur le président. Et de toute évidence, l'adage dit que personne, n'est-ce pas, n'est censé ignorer la loi. Je n'ose pas le dire dans le brocard de la langue qui a formé les juristes. Mais avant le plan de décaissement, je vous ai dit avant de vous en parler, qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? Sami Bofé, une facture numéro 001. J'imagine que c'est la toute première facture de l'année. Sami Bofé tombe sur un bon morceau. Première facture adressée à la présidence de la République. Mais bon Dieu, si Sami Bofé était en contrat avec le développement rural, bon, le 6 mars, à la présidence de la République, et comme les choses sont bien faites, 57 500 000 dollars américains. Le 6 mars,
Lorsque le plan de décaissement est établi, qu'est-ce que le plan de décaissement prévoit, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, Monsieur le Procureur Général? Cette fois-là, le plan de décaissement prévoit pour l'habitat 60 475 000 dollars américains. Simple coïncidence, Monsieur le Président. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Le Président n'a pas encore parlé, mais des gens savent que le secteur de l'habitat aura le montant qui correspond à la facture de Samibo. Mais comment Samibo fait la facture de Samibo? Comment Samibo sait que dans le plan de décaissement, il est prévu un montant correspondant à sa facture? Vous répondrez, vous jugez. Et les personnes soupçonnées vont devoir se justifier. Mais ça ne se termine pas là, Monsieur le Président. Nous sommes donc le 6 mars. Il n'y a rien. Parce que Bitakour, il faut l'oublier avec son... Il n'y a rien. Le 11 mars, l'honorable Vital Caméret, ici prévenu, écrit à la direction des marchés publics. Il n'est pas... C'est un sachant. Il ne faut pas penser qu'il vient se livrer. C'est un sachant, Monsieur le Président. C'est un sachant. Je puis affirmer, hein, des dirigeants, que le pays a. Procédure d'urgence de passation de marché. Et heureusement que lui, au moins, sait ce qu'il écrit. Instruction. Il dit au marché public, nous sommes le 11 mars, tous les marchés qui vont venir pour le compte de l'État, de gré à gré, vous les autorisez. Monsieur le Président, j'ouvre une petite parenthèse sur la question de marché de gré à gré. On a l'habitude de dire que ce type de marché est prévu dans le code des marchés publics, ce qui est vrai. Mais vous remarquez vous-même que ce type de marché n'est pas souhaité et ne doit être qu'un recours qu'à titre exceptionnel. Parce qu'il ne permet pas d'avoir la transparence nécessaire dans l'attribution du marché. C'est qui est l'avantage d'un marché par voie d'appel d'offres? Il y a des possibilités. On peut faire un marché, un appel d'offres restreint, national, pour recruter, mettre les entreprises en compétition, parce que là, Monsieur le Président, il y a de la rigueur. Et vous allez vous rendre compte, en définitive, Samibo ne représente que la personne qui est là, sans aucune garantie financière quelconque. Aucune. Et toute la difficulté que nous avons aujourd'hui, le 11, le 15 mars, Monsieur le Président, cette chronologie, elle est intéressante. Le 15 mars, le comité chargé de l'exécution des dépenses en urgence se réunit au ministère des Finances. Et si vous permettez, Monsieur le Président, que juste s'agissant de... Le 15 mars, le comité se réunit au ministère des Finances et ce comité valide la dépense, le paiement en faveur de Samibo. Le 15 mars, le procès verbal est là. Fait intéressant, Monsieur le Président. Et vous verrez qu'il n'y a pas de hasard. Le 15 mars, le paiement de Samibo, qui est repris sur ce procès verbal, on retrouve l'imputation au ministère de l'Urbanisme et Habitat, le 15 mars. Et dans le document du comité de dépenses en urgence,
on retrouve le nom de l'entreprise Samibo. Mais qui a mis le nom de l'entreprise Samibo? Nous tous en avons entendu qu'en 2018, Samibo est en relation avec le ministère du Développement Rural. Samibo figure à la réunion du comité des dépenses en urgence par qui? Et comment, alors qu'il était en contact avec le ministère du Développement Rural, Samibo se retrouve, c'est-à-dire que le ministère requérant devient le ministère de l'urbanisme et habitat. Ce sont des documents. Urbanisme et habitat. Nous sommes le 15 mars. Le premier paiement n'est pas encore fait. Le 15 mars. Monsieur le Président, le professeur Kalouba vous a parlé de l'image de l'orchestre avec le ministère de l'Orchestre. Vous savez qu'en matière d'orchestre, il n'y a pas de chef d'orchestre. Des tambourineurs, des batteurs, des solistes. Mais chacun a son rôle. On a oublié le ministère du Développement Rural, dont les responsables sont passés ici en vous disant, mais personne n'a jamais été à aucune réunion. Mais le dossier de Samibo est suivi. Tout le parcours de Samibo est sécurisé. Le président n'a pas encore parlé, mais déjà on a demandé pour l'habitat un montant. Deux jours après, la facture est envoyée à la présidence de la République. Alors, comme le président de la République s'occupe de tout ça, j'imagine qu'on lui a mis ça dans le signataire. Instruction. Qu'on a mis dans le signataire du président de la République la facture de Samibo, ou c'est l'administration de la présidence qui a géré. Samibo met cette facture sur base de quoi? Plus intéressant, monsieur le président, le même 15 mars, pour vous montrer la célérité, je n'ose même pas dire de félin. J'ai jamais vu aussi rapide. Jamais vu aussi rapide. Le même 15 mars, la vignette de paiement est établie au budget. Que dis-je? Au ministère des Finances. Et le même 15, le ministre des Finances prend une lettre à la banque, au gouverneur de la Banque centrale. Paiement en procédure d'urgence. Je vous demande de bien vouloir procéder au paiement en procédure d'urgence du montant de 14 375 000 dollars américains en faveur de la société Samibo Congo au titre, etc. Alors, ajoute le ministre, suivant la lettre non référencée et le plan de décaissement de la présidence de la République, tous deux du 8 mars. Le plan de décaissement dont je vous parlais. On s'est longuement étalé sur la question de savoir qui a sélectionné Samibo. Est-ce le ministère du Développement Rural? Vous comprenez qu'ici, il n'en est rien. Nous sommes le 15 mars. Le même 15 mars, monsieur le président, un shift. Le paiement est effectué par la Banque centrale du Congo. Mais, quelque chose d'intéressant, monsieur le Président. Le ministre des Finances indique le compte ou la banque de paiement Ecobank. Ecobank. Mais, vous savez tous que cet argent n'est jamais arrivé à l'Ecobank. Alors, on cherche le détournement, monsieur le président. Comment vous allez qualifier le fait que les fonds de l'État destinés à Ecobank
ait pris une autre destination. Ça, ce n'est pas encore le fait de provenir camerounais. Donc, M. Jamal, le prévenu Jamal qui est là, peut-être vous fournir une explication. En tout cas, il en a trouvé une, lui. En disant à votre tribunal, mais est-ce qu'il y a problème, sous votre grand respect, si c'est mon argent, si ça arrive là-bas, et je décide de l'utiliser là, est-ce qu'il y a un problème? Évidemment, si sur le plan factuel, il n'y a pas de problème, mais sur le plan du droit, il y a un vrai problème, parce que, Monsieur le Président, au terme de la loi, de la réglementation du change, et c'est là que la Banque centrale du Congo aussi mérite d'être plus regardant, parce qu'elle doit s'assurer du dénouement de l'opération, dit la réglementation des changes. Il ne suffit pas d'envoyer de l'argent, encore que vous devez vous assurer que l'argent est arrivé à destination. Mais, Monsieur le Président, dans ce contexte où tout le monde est tenu en état, on comprend comment les acteurs agissent. Comment les acteurs agissent? Alors, un prévenu vous dit, mais est-ce que vous me voyez à la chaîne des dépenses? Mais Monsieur le Président, y a-t-il plus présent dans la chaîne de la dépense que lui? Y a-t-il plus présent? Le ministre des Finances résiste. Il vous dit, la solution que vous préconisez n'est pas la bonne. Vous dites, il faut y aller, c'est prioritaire. Les gens se réunissent le 15, le ministre des Finances écrit le 15, le gouverneur de la Banque centrale fait le paiement le 15. Sincèrement, je ne sais même pas si le président de la République lui-même, s'il veut se faire payer, il peut bénéficier d'une telle procédure. Et donc, Monsieur le Président, des paiements vont être faits. Ces paiements sont incontestés parce que le dossier que vous avez et dont nous allons, nous, également produire, contient les preuves du paiement fait à la société Samibo. Et lorsque vous prenez la propre comptabilité de Samibo, elle vous dit qu'au 21 avril, Samibo a reçu la totalité de 57 millions de dollars américains. Sans doute que dans la défense, Samibo viendra vous dire le paiement de 57 millions, il a reçu sur base de quoi? Quel en était le soubassement? Est-ce le contrat d'Itakura? Est-ce l'avenant dont il vous a été dit les conditions qu'ils doivent remplir? Ils répondront, Monsieur le Président. Mais nous avons encore une fois rappelé la loi sur les marchés publics. L'avenant qui a été produit, et ceci est demeuré constant, qu'il n'est pas daté, d'une part, et d'autre part, la direction des contrôles des marchés publics a eu à vous dire que c'est un projet et que ce projet n'a jamais été validé parce que simplement il fallait qu'on accompagne ce projet d'un contrat. Ce contrat n'est jamais allé jusqu'au moment où ce procès se tient. Parce que pour qu'un avenant soit régulier, il est important que cet avenant-là, d'abord, ne dépasse pas un certain montant, et deux conditions de validité de l'avenant sont posées à la disposition dont lecture vous a été lue. Notamment, une fois qu'elle remplit la première condition, il faut que l'autorité compétente approuve l'avenant. Ce processus n'a pas été respecté. Et donc, au mois de mars, les fonds sont payés à Samibo. Est-ce qu'il y a-t-il eu détournement?
Du point de vue de la partie civile, monsieur le président, oui, déjà, le seul fait que Samibo se soit organisé, parce que nous ne disons pas certaines choses ici, pour qu'elle se fasse payer à la banque, alors que la banque de paiement indiquée, y compris dans la lettre du ministre des Finances, se trouve être Ecobank, il faut peut-être qu'on ouvre la rousse pour voir, parce qu'au moins la rousse nous mettra d'accord, ou le petit Robert. Peut-être que ça nous mettra d'accord, parce que le lexique de termes juridiques ou cornu, ça risque d'être plus compliqué. Donc l'argent doit aller à Ecobank, l'argent arrive à la Rebank. Point. Alors, chacun qualifiera, mais évidemment, vous nous direz si c'est ça la voie. Larousse et Robert. Monsieur le Président, ce qui est encore plus grave, deuxième évidence pour Samibo, qui est là. Au mois d'avril, Samibo souscrit une licence d'importation. Cette licence d'importation est validée par sa banque. 1500 maisons, dit Samibo, coûtent 12 650 000. L'instruction a révélé que Samibo est incapable de vous apporter une preuve contraire de sa souscription, de sa licence. Il n'a aucune preuve contraire. Vous l'avez demandé pendant l'instruction. Et ce qui est écrit, monsieur le Président, ce n'est pas la partie civile. In fine, quand vous prenez ce document, vous verrez le nombre de parcelles, le prix unitaire. Et donc, si vous avez 1000 maisons au prix de 5 800 $, la pièce, vous prenez 5 800 fois 1000. Et 500 maisons au prix de 13 700. Je ne vous parle pas de la surfacturation. Et quand vous totalisez, vous êtes à 10 650 000 dollars américains. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? Samibo, au dire de la Banque centrale, et j'ouvre une parenthèse, monsieur le président, parce qu'il y a eu un débat ici. Ah oui, les documents produits ne sont pas signés, ni datés, ni le sceau. Ce document a été soumis à la contradiction de toutes les parties lors de la dernière audience, et le gouverneur de la Banque centrale a renvoyé ce document et les parties ont pris connaissance. Vous remarquerez que le document, il n'est pas signé, il n'est pas... La Banque centrale a renvoyé ce document et les parties ont pris connaissance. Vous remarquerez que le document, il n'est pas signé. A renvoyé ce document et les parties ont pris connaissance. Vous remarquerez que le document. Samani susute ya kokima kamba kokosonga nokina ndaku po otala ata information na chombo na yo ozana toutes les chaînes du monde câblé na mbongo mukie na lobi bien mukie makasi ozamo bimba en live oyo esole kana tv na ndaku yango pe yo ozota na telephone yo pe mutu ozali na television ya wifi yeba ke ozamo bimba po ba kokiko installé na ndaku okosomba ka ata mukolo moko te abonnement ya ba voisin wana. Donc, na chombo na yoto, open la télévision ou ya wifi na ndaku, ozamo bimba, na toutes les chaînes du monde câblé, s'il vous plaît. Tala, soki olingi, ozala na toutes les chaînes du monde câblé, na kati ya téléphone, tope chombo na yo, benga bisou na ba numéro oyo, tangu okoya toko installele yo, sima yako tala peko yoka elengi, ya toutes les chaînes du monde câblé, na kati ya chombo na yo, nde okosonga, obandi kosomba abonnement na yo, ya une semaine, ya deux semaines, ya un mois, ya une année, na mbongo mou kie ma kasi il n'a pas battu à ma hôtel soki kaka, bozama ba TV à wifi bozama pimba na bisa media TV ba kliye na bino ba kotala, ba chaîne nyonsu ya monde sali kukuma na mbongo. Nous avons produit, monsieur le président, dans notre dossier le chèque signé par monsieur Jamal à Jamal
à Hussein Jamal et à lui-même qui est passé à la banque retirer de l'argent. Et monsieur le président, vous savez cet argent, il l'a mis où? Cet argent, il l'a mis où? Il y en a qui l'ont mis dans son propre compte, ouvert à la même banque. Donc il prend l'argent de l'État dans un compte, il ouvre un autre compte dans la même banque et il prend de l'argent du trésor qu'il verse dans son compte. Et le reste d'argent, monsieur le président, vous voyez bien la destination que cet argent a pris. Je vous donnerai des pièces un peu plus tard. Soyez-en sûrs, vous aurez ces éléments, monsieur le président. N'oubliez pas qu'avant que le montant n'arrive dans le plan de décaissement, les gens se sont vus. N'oubliez pas, monsieur le président, que le sulfureux Massaro a reçu des fils Jamal deux véhicules, une Range Rover et une Toyota Prado TX. Range Rover, dont il est de notoriété publique, qu'elle a été abandonnée quelque part sur Calémie il y a un jour à peine. Avec une feuille, un volet jaune de la DGI au nom du sulfuré Massaro, cadeau reçu des enfants Jamal. Il dit le temporé. Et lorsque le paiement est fait le 18, le 19, l'argent sort. Et qui sort l'argent? Ce sont les fils Jamal qui essayent de là où ils sont de faire du bruit, mais ils auraient été plus hommes que de prendre des avions et venir en RDC. Bon, c'est pas notre problème. Il y a le ministère public pour ça. En tout cas, on les attend des pieds fermes. Monsieur le Président, pour vous montrer ce qu'on appelle la commune intention qui se dégage, le 3 mai, le 3 mai, c'est-à-dire que M. Jamal reçoit 57 millions, le 3 mai, Monsieur le Président, il fait une lettre au ministre du Développement Rural. Mais je crois qu'il a poussé l'outrecuidance quand même assez loin. Qu'est-ce qu'il écrit, monsieur le président? Annulation de l'ancienne facture de 26 millions, transmission de la nouvelle. Et vous savez quoi, monsieur le président? Il fait la référence au contrat 001, c'est-à-dire au contrat de 2018. Nous sommes au mois de mai. Ce gamin est probablement un grand commerçant. Je ne savais pas qu'il avait du génie. À ce point, qu'est-ce qu'il écrit? Ce changement est dû à la demande de la présidence de la République qui a retenu ce projet phare dans les 100 jours du programme chef de l'État en modifiant le nombre de maisons, 1500 au lieu de 500, et le type de maison, villa duplex à la place de maison simple de deux chambres. Mais, monsieur le Président, on est en droit de se poser des questions et des bonnes questions. C'est Jamal, signez s'il vous plaît. Le très respectueux Jamal. Au mois de mai, bon, il reçoit l'argent. Et au mois de mai, il se souvient qu'il y a un ministre de développement rural. Sans doute que je ne vais pas répéter ce que lui-même a dit ici. Et monsieur vous dit, c'est à la demande de la présidence de la République. Mais parce que les gens qui ont été aux responsabilités sont là. Et il leur appartient de dire à votre tribunal à la présidence de la République a demandé à M. Jamal d'envoyer une nouvelle facture au développement rural. Puisque M. Jamal avait un contrat avec le développement rural, qu'est-ce que la présidence est venue faire à lui demander? Nous sommes sur 100 000, M. le Président. Parce que les spécialistes des autorisations du président de la République, vous les entendrez. Est-ce le président de la République qui avait demandé qu'on passe de 900 à 1500 maisons? Jamal nous dit à la présidence, on lui a demandé. Qui à la présidence lui a demandé? Qui à la présidence? Nous sommes au mois de mai, s'il vous plaît. Le même 13 mai, le ministre des Finances, un homme galant, va saisir le ministre du budget
À ce moment-là, on se souvient qu'il existe lui aussi. Comme Jamal s'est souvenu du ministère du Développement Rural, on se souvient aussi qu'il y a une chaîne de dépenses qui veut que tout parte d'un bon d'engagement et la liquidation au budget avant d'aller aux finances pour ordonnancer à la Banque centrale pour payer. Tout le monde se souvient. Et vous avez entendu les spécialistes des régularisations. Le ministre des Finances envoie au pauvre ministre du budget de la documentation, c'est-à-dire de la paperasse, pour lui demander, on a payé 57 millions, personne n'a cherché à savoir sous base de quoi. Maintenant, régulariser, parce qu'on sait que ça va parler un jour. Et j'ai entendu un prévenu vous dire que c'est des tas de documents qui sont à la régularisation. J'apprécie qu'il ait reconnu que ce n'était pas la procédure appropriée, parce qu'en réalité, la régularisation est un paravent pour couvrir tout simplement les détournements de l'argent de l'État. Nous sommes le 13 mai. Sur le président, cette chronologie est intéressante. Le 22 mai, encore une fois, le directeur de cabinet, cette fois-là, il écrit officiellement à l'urbanisme, le 22 mai, pour lui dire, mettez en place un comité, d'ailleurs que lui-même définit. Nous sommes le 22 mai, et un arrêté est pris. Je vous épargne, Monsieur le Président, la lecture de la note explicative qui est venue de ce ministère. Mais vous lirez ce rapport et vous verrez ce que les services de l'État en disent. L'ancien ministre du Développement Rural était ici. Il vous a expliqué qu'il a commencé à se battre pour régulariser. Oui, en effet, à partir de mai. Mais monsieur ne sait pas qu'en réalité, son libre est déjà payé. Déjà payé. Déjà payé. Alors que, monsieur le président, son libre a reçu 57 millions. Le 5 juin, le prévenu Kamere signe une lettre à Monsieur le ministre des Finances. Mise à disposition de fonds en faveur du comptable public, 1 342 180. Monsieur le Président, ça commence à devenir intéressant, ce puzzle. Et il dit que cet argent sert à quoi? 300 maisons pour la ville de Kinshasa-Maloukou sont arrivées, 181 conteneurs. Il affirme qu'il y a l'exonération de droits et taxes relatifs à leur importation, exonération accordée à la présidence, vous l'avez suivi. Cependant, il ne reste qu'à les dédouaner et les acheminer à Kinshasa, et les frais accessoires totaux et relatifs sont estimés. Il donne le montant. Vous avez en annexe à sa lettre un état de besoin établi par le spécialiste de l'importation à la présidence de la République. Nous sommes au mois de juin. La question à laquelle jusque-là on n'a pas eu de réponse, qu'est-ce que la présidence de la République vient faire dans le dédouanement des conteneurs commandés par un prestataire privé? Qu'est-ce que la présidence vient faire? Et dans le dossier, monsieur le président, que nous allons verser à votre tribunal, nous vous montrons non seulement des factures, mais des belles, s'il vous plaît, où les marquer, estampillées, présidence de la République, avec le numéro de monsieur Jamal. À croire qu'on a transformé la présidence de la République en une agence en douane. Nous sommes le 5 juin. Pourquoi, monsieur le directeur de cabinet, s'est-il cru en devoir d'obtenir que cet argent sorte de la caisse de l'État au mois de juin? Pourquoi veut-il prêter concours à un privé qui a reçu
57 millions. Pourquoi? Dans quel intérêt? Lui qui n'a rien à voir avec ce marché, lui qui regarde les choses de loin, lui qui travaille par des annotations, pourquoi s'est-il cru en devoir de faire sortir l'argent de l'État? Monsieur le Président, pour bien avancer et la bonne compréhension de ce dont je vous parle, il vous souviendra. Vous l'avez entendu ici de l'ancien ministre du Budget, qu'il a été dans l'impossibilité d'obtenir un petit paiement d'une banque, tout simplement parce que la banque lui a répondu, pour bien me suivre, je vous lis la réponse de la banque que nous avons versée au dossier. En réponse à votre précité, tout en restant dans la compréhension et l'application stricte du communiqué de la présidence de la République, suspendant les engagements et liquidations des dépenses autres que celles relatives au salaire, nous portons à votre connaissance que nous sommes dans l'impossibilité d'accéder à votre demande de dérogation en faveur du service. Et ils ajoutent, en effet, tel que recommandé dans le dit communiqué et tel qu'expliqué au directeur financier récemment à nos locaux, toute dépense autre que celle se rapportant au salaire requiert une autorisation expresse de la présidence de la République. C'est ainsi que pour nous permettre de servir aisément, nous vous serons gré de bien vouloir annexer à votre lettre reprise en apostille l'autorisation idoine de la présidence de la République. Et cette lettre-là, vous avez été lue. Pour le prévenir, Camero vous dit que le président de la République et moi, c'est pas la même personne. On écrit en français. Monsieur le président de la République et moi, Vital Camere, avons reçu votre lettre. Il donna suite, j'autorise. C'est pas le président de la République qui autorise. Hein. C'est écrit. C'est écrit. Je ne parle pas, c'est écrit. Il faut que la personne qui autorise réponde. Donc ce communiqué, ce n'est pas de rien. Donc, le 5 juin, 1 342 000 $ sont sortis. Je vous épargne, Monsieur le Président, ce que vous savez déjà, que cet argent est parti de la Banque centrale à la présidence chez le comptable public, que malgré ce coffre-fort, quelqu'un attendait l'argent. Nous l'avons suivi tous, Monsieur le Président. Quelqu'un attendait l'argent. Il a dit au comptable, donne-moi l'argent. C'est le comptable qui, sans doute par bon réflexe, a dû lui dire, avant que je ne vous donne l'argent, il faut que j'appelle le chef. On cherche les pièces. Cet appel-là est attesté par une pièce. Quelle est la pièce qui atteste l'appel? Le comptable appela, le chef ordonna, et l'argent partit. C'est aussi clair que ça. Quand on vous cherche des pièces, on vous cherche des pièces, non. Ça a été dit, et ça n'a pas été démenti, ici. Et cet argent, nous tous nous avons entendu, qu'il est sorti de la présidence pour aller dans une villa en face de Chopin, où on a compté manuellement de l'argent pour s'assurer qu'il y avait 1 million quelque, et l'on a dit au revoir au comptable. Ce monsieur-là, Monsieur le Président, il est connu. Ses liens avec le prévenu Camere sont connus, incontestés, et nous donnerons une preuve supplémentaire pour faire ce lien. Alors j'imagine, Monsieur le Président, que le lendemain, ils se sont réveillés, ils ont prié notre Père qui est aux cieux, et puis ils ont pris cet argent-là, tranquillement, comme il était venu, pour aller faire les opérations qu'ils avaient à faire. Revenons dans le camp, Monsieur le Président.